UH, 28 ans, pilier. Anthony Marion, 28 ans, 3ème ligne, talonneur, 2000 version, c'est un couteau suisse. C'est une bonne question. Honnêtement, je pense que ça vient de l'âge à vie. Ouais, je pense aussi. Très certainement à l'école de rugby. Plus de 20 ans, je pense. Voilà, il y a plus de 20 ans. Anto, Max. On a joué à Villefranche d'Albi ensemble. Ouais, c'était à l'école de rugby. À l'école de rugby, après, ici, je pense que ça doit être Limoux. Ouais, Limoux. 2015. On fait partie des meubles. Des fois, il peut être râleur, mais ça va servir de sa force. Ouais, il râle pour des choses et il fait en sorte de rectifier les choses pourquoi il râle. Donc, ça peut être une sorte de force. Choisis mieux. trop travailleur. Ouais. Il laisse nos 3 ans du coup. Quelqu'un me dit. Eh oui, c'est vrai, quand je joue avec lui, au moins, il travaille un peu pour moi. Pourquoi je le dis, hein. Il fait beaucoup de choses bien. Il attaque bien la ligne, c'est un très bon contrôleur en défense. Et ça y arrive d'avoir un beau jour. Hein. Il est très, très gros travailleur. Et il a trois poumons, je pense. J'aimerais pas courir parce qu'il court. Entier. Persévérant. Max. Ah, la question, elle se pose même pas. Un tour, je pense qu'il n'y a pas de match. Je suis. Ouais, c'est différent. Moi, je suis beaucoup famille. Moi, je ne ressens pas forcément le besoin de sortir. Je suis bien tranquille dans mon petit cocon familial. Les deux, on peut rigoler autant. Moi, je peux autant rigoler d'une blague d'un tour comme lui. Non, très, juste très drôle, un bon public. J'ai faux, mais. S'il faut, oui. Machu. On n'est pas des grands fans de mode. Je suis pas un grand fan de mode. Et c'est vrai qu'il faut que j'avoue que là, plus de trois quarts de mes temps, je suis en Théo. Très grand bricoleur. Pareil, travailleur. Parce qu'on pense que la vie s'arrête après le rugby, mais il a une vie après le rugby. Pas grand chose, le bricolage. Ils ont pas le temps, fatigué. Un peu de pétanque. Quand il fait beau. Ils sont pas arrivés, un peu de pétanque, ou pas de famille ou autre. Pas de match. Anto, j'assume. C'est un bon mangeur, donc ça peut être autant une grillade qu'une raclette, je pense. Une bonne entrepôt, je pense, pour moi. Ouais, voilà. On est parti jouer un match avec lui. Et il s'est avéré que Marie était en salle d'accouchement, donc il a fallu qu'on se presse beaucoup pour revenir à temps pour accueillir le petit Mathéo, et ça c'était de belles anecdotes. Heureusement qu'il n'y avait pas de radar, parce que je pense que Max aurait pu perdre aussi.